Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour le deuxième épisode sur No Man's Sky. Et donc la suite directe de la première vidéo. Je suis parti faire mon petit tour, j'ai récupéré un petit peu de plutonium, de titanium. D'ailleurs il y en a un gros là, je vais aller faire un petit détour. Et en faisant le tour j'ai vu qu'il y avait une lumière rouge là-bas. Donc dès qu'on va faire décoller le vaisseau, on va aller là-bas. Parce que c'est à 2 minutes de trajet, mais j'ai pas envie de me taper 2 minutes à pied pour revenir pendant 2 minutes. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc on va juste voilà, récupérer ça. Ça c'est quoi? Tiens, oh merde, arme déchargée. Alors pour l'arme déchargée, est-ce que je suis en train de me poser une question? Ah, ça c'est une bonne chose. Je m'étais posé la question comment j'allais faire si jamais un jour je me retrouvais sans composant. Et en fait, on peut détruire les plantes pour récupérer le carbone à coups de poing. Ouais, je sais, c'est complètement stupide. D'ailleurs, je vais ramasser des plantes parce que j'en ai très peu. Donc là, ça va aller vite. Voilà. C'est parfait. Et là... on a largement... oh non, pas largement. On a looté un petit peu. De quoi récupérer un petit peu de carbone. Fer. Carbone. Voilà. J'étais pas content, c'est la même chose. Il est où, là? Ça va. Je peux pas, même pas récupérer 3 plantes. Voilà. Et... voilà, là ça sera largement suffisant. Je vais pas rentrer dans le détail de l'Atlas parce que je sais pas encore trop ce que c'est. Où j'en suis dans le jeu, j'ai pas encore découvert. Mais en gros, on a un débris de balise qui, pour mes parties, c'était toujours un Atlas. Et là, c'est quoi? Ouais, c'est aussi l'orientation de l'Atlas. Donc l'Atlas vous explique un petit peu. J'ai pas très bien compris comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, sur cette partie démo, je m'en fous, enfin cette petite partie découverte qui n'est pas importante pour l'instant, je m'en fous complètement. Donc on va rentrer dans ce vaisseau. Je fais exprès de garder ce vaisseau là parce que le troisième épisode, ça sera l'hyperpropulsion, le fait d'aller le chercher et tout ça, changer de planète. Donc je fais exprès de garder ce vaisseau là, mais moi je l'ai précommandé, donc j'avais le vaisseau déjà construit. Donc une fois qu'on en est là, on fait tab, on va pouvoir charger en titanium, voilà, charger en plutonium, voilà. Je vais juste ressortir 2 secondes pour vous montrer aussi une dernière chose, mais on a des machines endommagées que quand on les clique dessus, on a des technologies qu'on récupère pour pouvoir améliorer. Donc là on voit que c'est un refroidissement avancé tôt, c'est pour le canon à photons, donc ça nous permet de pouvoir mieux tirer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant on va décoller. Alors, pour décoller, j'ai la manette. Et on va aller se poser par là-bas pour que je puisse vous montrer quelque chose. Hop là. Allez. Bim. Et on se pose. Voilà. Donc là, pour sauvegarder, quand on arrive près de ce genre d'élément, c'est ce bouton-là. Voilà, donc là on voit que c'est le marécage de Rose Holm qu'on a découvert. On a des éléments qu'on peut récupérer volontiers. Voilà. Donc on peut toujours fouiller, il y a des choses à vendre des fois. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce bâtiment? On peut rentrer dans ce bâtiment, donc on va le faire. Dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une technologie. Voilà, c'est quoi? C'est pour le rayon sigma, concentrateur de rayon sigma. C'est pour le traitement plus rapide des matériaux qu'on récupère quand on creuse. Donc ça, c'est par exemple, on pourra les faire de cette manière-là. Pour l'instant, je vais pas le faire, parce que j'ai pas ce qu'il faut, il me faut plus de plutonium. Mais voilà, on peut améliorer donc ce que je vous expliquais, ça sera surtout dans l'épisode 3, je pense, les améliorations. Et une des choses les plus importantes, d'ailleurs, il y a un peu de plutonium là. Hop là. Est-ce qu'il va me casser les couilles l'autre? Arrête. Dégage! Qu'est-ce que t'as?
Qu'est-ce que t'as? J'ai envie de lui mettre un coup de rayon dans sa gueule. Voilà, dans ta gueule. C'est des sentinelles, on sait pas trop encore ce que c'est. Et en fait, on va pouvoir ici fabriquer des objets. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour fabriquer? Dans mon exocombinaison. Oui, j'ai assez pour le fabriquer. Donc en fait, on a des puces de piratage qu'on va pouvoir interagir avec ces trucs. Et du coup, on va pouvoir demander d'avoir des éléments. Donc on a les monolithes, les avant-postes coloniales, les transmissions et les abris. Si j'ai bien tout compris, les monolithes sont des éléments de race extraterrestre ancienne en général, supérieure, qui sont en raccord avec les premiers-nés, mais pas que. Enfin, moi pour l'instant, celle que j'ai vue, c'était quasiment tout le temps des premiers-nés. Geek, pour, enfin Geek pour moi. Ça permet de connaître beaucoup sur l'histoire. Et plus vous connaissez de mots dans le lexique de la race du monolithe, plus vous comprenez et plus vous apprenez des choses. Donc voilà, ça permet aussi, en général, il y a des pierres pour apprendre les noms, pour apprendre des mots, et donc c'est vraiment super intéressant. Les avant-postes coloniales, ça va être des postes où vous allez pouvoir TP si jamais vous êtes loin votre vaisseau. En général, il y a quand même pas mal d'éléments, un point de sauvegarde, plusieurs bâtiments que vous pouvez fouiller ou non avec des passes Atlas ou non. Donc voilà. Des transmissions, c'est des zones qui vont vous permettre de connaître un petit peu mieux la zone aux alentours. Donc ça va vous montrer les points d'intérêt en blanc. En fait, des fois, je vais vous remontrer tout à l'heure, mais quand je zoome à des endroits, j'ai des petits points blancs. Alors, je suis pas sûr exactement de ce que je vous dis. Hein. C'est mon ressenti après une dizaine d'heures de jeu. Et des abris, c'est en général juste des bâtiments. Il y a un point de sauvegarde, un bâtiment, et puis c'est tout. Donc là, par exemple, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, je vais prendre un avant-poste colonial. Et là, il va me le montrer, du coup. Et là, du coup, on va pouvoir prendre le vaisseau et y aller, parce que sinon, c'est à 21 minutes et 46 secondes. Marche normale. Et ce qu'on va faire, c'est que si j'ai assez, on va même craft. Bon, on va le faire. Est-ce que j'ai vraiment assez? Si j'ai assez, j'en crafte même plusieurs. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais même demander à ce qu'il me montre un de chaque. Comme ça, je vous ferai visiter un de chaque. Et je pense qu'on arrêtera la vidéo là, parce que le prochain élément, ça sera de partir dans l'espace. Du coup, donc monolithe. Vous allez voir en plus les visuels différents. Donc le monolithe est aussi par là-bas. Monolithe extraterrestre à 7 minutes 22. Voilà. Maintenant, on fait un centre de transmission. Voilà. Et le dernier, ça sera un abri. Et comme ça, je pourrais vous montrer les bâtiments. En plus, on a de la chance, ils sont tous dans le même coin. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça me permettra de faire, de pas avoir à me déplacer trop entre chaque. Il me faut que je me fabrique une dernière puce et j'ai largement assez. Voilà. Pour un abri. Recherche d'un abri. Et l'abri, je suis sûr qu'il va me faire chier, il va être de l'autre côté. J'en étais sûr. À 2 minutes 38. Alors ça va, c'est lui que je vais faire en premier et après j'irai voir les deux autres trucs. Alors on récupère notre vaisseau. Alors faut pas faire les foufous parce que le vaisseau demande pas mal de ressources au bout d'un moment. Surtout si vous décollez régulièrement. Un décollage avec le propulseur que j'ai, un décollage me coûte 25% de l'énergie quand il est full. Donc faut quand même faire un minimum attention. Hop là, donc on va pouvoir se poser. C'est un abri. On va pouvoir se poser juste à côté, c'est parfait. Oh, et je crois que j'ai vu juste derrière un truc intéressant à vous montrer juste après, putain. C'est la chance, c'est la vidéo parfaite pour faire un épisode découverte. Encore un truc Corvax, je crois, j'ai dit ici. Pour des mots en plus. Je les prends, j'aurais dû tous les prendre du coup, ceux que j'ai croisés, parce que j'aurais pu vous montrer avec plus de chance comment ça se passait quand on avait plein de mots d'une race. Et vraiment joli. J'aime bien les Corvax, l'architecture Corvax. Je la préfère à celle Geek. Donc là, juste, voilà, on récupère
un élément pour fabriquer des vaisseaux. Alors je fouille pas partout hein, parce que de toute façon, comme je dis, c'est pas ma partie principale. J'en ai déjà une avancée une beaucoup plus. Celle que si jamais je vous fais une sorte de let's play, ça sera là-dessus justement. Merde, bah, du coup j'ai même pas sauvegardé. Mais voilà, c'est ce point-là, c'est ce truc-là que j'ai vu en fait qui m'intéressait énormément. Ça, c'est une station. Comment elle s'appelle ça déjà? Je peux vous poser dessus. Merde, comment ça s'appelle cette station? Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a un commerçant, un extraterrestre. En général, c'est un extraterrestre qui va me demander quelque chose. Voilà. Après, le truc, c'est que comme j'ai pas assez de lexique dans sa race, je ne sais pas du tout si je vais arriver à répondre et à lui donner ce qu'il le souhaite. Incongruité. Donc là, il m'aime pas trop parce que j'ai pas fait grand-chose pour lui. Et vous voyez, là, j'ai aucun mot qui est passé. Voilà, si rare. Domostock. Donc là, il faut que je lui donne quelque chose de rare. Et la seule chose rare, c'est du cryosinite et j'en ai pas. Donc je peux pas lui donner, je peux pas lui rendre, je peux pas lui donner ce qu'il aimerait. Donc ça sert à rien que je continue à parler avec lui. Je vais juste vendre, comme ça je vous montre un petit peu comment ça se passe aussi, à cette petite matrice de vente. Donc on peut acheter des articles ou vendre des articles. Quand on est proche de nos vaisseaux, on peut vendre directement vaisseaux et inventaire de l'exocombinaison. Mais là par exemple, je vais vendre toutes les conneries de ce style. Parce que ça me sert à rien, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre pour l'instant. Donc, on peut s'arrêter de vendre. Mais au moins, ça me permet. Et on peut acheter pareil. Il y a des, il y a des, comment ça s'appelle? Il y a des taux d'échange, c'est-à-dire que plus un item est demandé, est acheté a priori, plus il va être cher. Et pareil, l'inverse, plus un item va être vendu, moins il sera repris cher. Et puis il y a des comment ça s'appelle, des flux comme ça de cotes. Après, je suis pas, pour l'instant, je peux pas vous dire avec certitude. Ah ouais, il est resté en connecté parce que j'ai pas sauvegardé. Je peux pas vous dire avec certitude si tout le monde est relié parce que ça n'a pas été spécifié. On va aller au plus proche qui est le monolithe. Donc là, j'ai mis le turbo. On avance, on y va tranquille. Vous pouvez voir que le jeu, moi, je le trouve magnifique. Les textures sont pas top, mais je trouve que ça va. Je veux dire, si les textures sont moches, mais qu'il n'y a pas de choses autour pour rattraper la catastrophe, tout ça, on arrive à se retrouver avec des jeux qui sont vraiment dégueulasses. Alors que là, les textures sont pas top, mais l'habillage des planètes, la génération procédurale des niveaux et tout ça, enfin des planètes, sont tellement bien faits à côté qu'en fait, du coup, on en vient à oublier que le jeu, que les textures sont pas super. Et je crois que c'est quand même ce qu'il y a de mieux de. Enfin, c'est ce qui est vraiment le mieux à souligner. Ouais, sur mon autre partie, je suis quasiment à 60 mots geek. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai un texte geek à décrypter, j'ai quand même eu les mots. J'ai eu la chance d'avoir des mots très intéressants, très importants en tout cas. Donc c'est vrai que du coup, je peux facilement traduire. Là, on va voir ce petit monolithe qui va me demander sûrement de faire quelque chose. En espérant qu'avec les 8-9 mots que j'ai appris, je vais pouvoir arriver à déchiffrer la demande. Parce que ça peut ne pas être super. Je me sens faible, comme si mon esprit était envahi de pustules apparaissant. Ah oui, d'accord. Bon, là, le truc, c'est que j'ai déjà eu un des deux mots et que ma femme a déjà eu cette épreuve. Donc, en fait, je sais comment la régler. Je vais essayer de vous l'expliquer, comme ça vous comprendrez. Donc là, en gros, il se fait attaquer, il a des pustules qui apparaissent sur sa peau, enfin, en gros, vous pouvez lire aussi, hein, qui gonflent et qui éclatent. À chaque plaie béante, il y a des petites aiguilles qui grattent et il y a des petites araignées métalliques qui sortent. Donc vraiment, hein, une image cauchemardesque. Si on n'avait appris aucun mot, on se retrouve avec deux mots en blanc où on ne comprend pas. Et trois choix, retirer le casque et essayer d'enlever les araignées, ce qui est une mauvaise idée étant donné qu'on est dans une. A priori, l'air n'est pas respirable. Tirer avec son arme ou attendre que ça passe. Et là, on voit qu'un des deux mots, c'est calme. Donc, la seule solution calme, c'est attendre que ça passe. Et là, normalement,
Voilà, c'est une hallucination, hallucination qui s'estompe. Et en fait, on réussit une sorte de test et on est récompensé par, par des steams supplémentaires. Et par normalement un item qui va m'être donné. Et on a aussi un mode de l'Atlas Réveillon. Donc on a un item, de l'estime supplémentaire, enfin vraiment plein de trucs. Ce qui est cool. Oh bah j'avais pas vu, mais j'avais encore un mot Corvax juste derrière le vaisseau où j'ai posté quoi. Donc on a 10 mots appris. C'est cool. Ça, heureusement que mon autre partie est bien, parce que sinon je crois que j'aurais dégagé mon autre partie et j'aurais gardé celle-là. Mais faut vraiment que j'arrive à revenir avec mon autre partie dessus. Donc là, on a voilà ce genre de petit truc qui s'écrase un peu partout. Donc on peut récupérer. Ah, ça mange pas de pain. On se prend le mot. Enfin, voilà. Et on va aller continuer. On va aller un petit peu plus loin. Hop là, on va redécoller. Et cette fois-ci, alors c'est lequel qui est plus près? On va par là. Donc on va pouvoir se poser. Bim. Voilà. Donc là on a un abri. Donc il restera plus qu'une chose. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît comme quoi ça a été déjà farmé quoi. Parce que, putain, il y a encore un mot là-bas quoi. Il y en a de partout, c'est abusé. Voilà. Il y en a encore un là. Cette planète, elle en est truffée. Je trouve ça sympa aussi de pouvoir justement prendre la jumelle et s'amuser à regarder un petit peu. Ouais, il y en a encore un là aussi. Ah non, c'est un bâtiment. J'ai rien dit. C'est rond, ça y ressemble, mais c'est un bâtiment. Donc là, pareil, voilà, on a encore le truc rouge qui me permet de savoir où sont les choses. On a deux petits bâtiments qu'on va pouvoir explorer. Et je pense que dans ce... Ça. Donc là, on a une recharge de bouclier. Ah! On peut étudier un petit spécimen qui était mis à l'intérieur. Donc on va avoir de l'estime Corvax améliorée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la santé, mais on s'en fout. Il va falloir que je recharge aussi ma combinaison. Hop là. Ah, et mon truc de décollage aussi, comme ma femme me dit, avec le plutonium. Et pour ma combinaison, bah, j'ai des cellules énergétiques, donc je peux utiliser la cellule énergétique. Oh putain, une race. Voilà, vous voyez. C'est une race en forme de couille, avec des poils au centre. Je les aime absolument pas. Et par contre, je les ai déjà découverts, mais pas sur cette planète. LOL. Donc ça veut dire que des extraterrestres peuvent être sur deux planètes différentes. Et je l'ai déjà découverte, mais comme je vous ai dit, pas sur cette planète. En fait. C'est ça. C'était pas sur cette planète que j'ai découvert ça. Alors ça voudrait peut-être dire que sur mon autre partie, je suis absolument pas loin. Oui, parce qu'en général, si une race... Putain, ça se déplace vite, c'est abusé. Ah, mais non, c'est en train d'attaquer l'autre. Il faudrait que je fasse des recherches, du coup. Et voilà. Eh, bonjour, monsieur. Donc, dans le truc colonisation, il y avait quelque chose, donc c'est intéressant. Par contre, c'est tout petit, c'est con. Bon, je vais pas continuer de toute façon parce que là le but c'est pas de vous montrer tout ça, ce sera surtout de repartir sur ma partie, mais c'était vous montrer un petit peu les points intéressants. Ça va permettre en fait avec une puce de piratage de faire pop le vaisseau ici. On s'en fout, il est juste derrière. Et on va aller voir le dernier point avant d'arrêter aujourd'hui sur le jeu. Et le prochain, ça sera dans l'espace. Et je pense que l'épisode 4 et 5 seront sur l'explication des points forts et des points faibles du jeu à mon avis. Et bah, vous montrer un petit peu le jeu plus loin justement pour essayer de vous expliquer un petit peu ce que moi j'adore et ce que j'ai pas trop kiffé. Voilà. Et maintenant le centre d'opération. Donc là c'était un abri et là c'est un centre d'opération. Voilà. Hop là encore un bâtiment.
Il y a vraiment plein de choses. J'espère que je vous ai pas éclaté les oreilles en éternuant. J'ai essayé de couper le micro à temps, mais je sais pas si j'y suis arrivé. Alors. Et un petit centre d'opération. Alors, je les connais pas tous, hein. Je préfère vous le dire. Hop là, je m'en fous de là-bas. Hop là. Mais je sais pas trop ce qu'il va avoir dedans en fait, parce que chaque j'ai déjà eu des choses différentes pour les mêmes endroits, donc tout est vraiment très 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 différent. Et ça c'est cool. Encore encore une grosse bestiole. Hop là. Et on va essayer de rentrer là-dedans, voir ce qu'il y a. Et je suis curieux de savoir en fait pourquoi je suis où je suis. Ah putain, faut que je le détruise. Donc là, le truc chiant, c'est que si je veux y arriver, faut que je le détruise. Mais j'ai pas d'armes, donc je peux pas y rentrer. Donc là, dans ce bâtiment, je peux pas y rentrer en fait. Et je peux pas vous montrer dans l'immédiat. Bah bref, ça c'est si jamais un jour je vous fais un let's play, vous aurez le droit à accéder à ce genre d'éléments. Parce que là de toute façon j'ai pas l'équipement nécessaire, les sentinelles font trop mal pour que je puisse attaquer la porte et gérer les sentinelles qui vont arriver au fur et à mesure. Bon, bah écoutez, on va arrêter cet épisode là, comme je vous l'ai expliqué, et l'épisode 3 sera dans l'espace et arriver à la première... Bah, changer d'ailleurs de système et puis voilà. Bon ben écoutez, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager, surtout si vous voulez que je mette votre nom à un élément que j'ai déjà vu ou que je vais voir, en me précisant plus ou moins ce que vous voulez, à quoi vous voulez que je mette votre nom. Et puis je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao tout le monde.